Bonjour mes loulous. Alors aujourd'hui, l'atelier vous propose de réaliser un jeu de tangramme. Alors... C'est un jeu entre le puzzle et le casse-tête, composé de 7 formes géométriques qui vont nous permettre de composer différents dessins. Comme matériel, nous aurons besoin d'une feuille A4, de 8 feuilles de papier canson de couleurs différentes, de colle, d'une règle. Un crayon à papier et un ciseau bien sûr. Alors, on va commencer par réaliser notre patron. Le patron va nous servir à dessiner toutes les pièces. Je replie un coin de la feuille sur la longueur pour obtenir un carré. Je vais ensuite donc plier ma feuille en deux, puis encore en deux, en comme pour l'origami, en marquant bien les traits, donc dans un sens, puis dans l'autre. Je déplie ma feuille qui est composée. Les petits carrés du pliage vont nous servir à tracer les 7 pièces de notre tangramme. On va commencer par tracer la grande diagonale, la diviser en deux pour obtenir les deux grands triangles. Ensuite, on va se servir à partir du centre des 4 petits carrés pour tracer le carré du tangramme. Ce qui va déterminer donc le triangle et le carré. Ensuite, on va venir rejoindre ces deux points pour faire un deuxième petit triangle. Et on va finir par tracer notre parallélogramme. Et ainsi, on a les 7 pièces du tangramme. Je vais venir maintenant le coller sur une feuille. Voilà, mon patron est prêt. Il faut découper maintenant chaque pièce dans une couleur différente. Voilà, mon tangramme est fini. Il est tout coloré, tout beau, tout joli. Reste plus qu'à jouer. Vous pouvez trouver sur le web des tas de figures proposées, colorées ou en noir, si vous voulez vous creuser la tête. À bientôt les loulous !